שיהיה למישהו דקה. כן, המפקד! מה למדנו? Je m'apprête à chanter à Jérusalem. Si c'est pas un rêve, ça. Jérusalem, ville sainte. J'en ai entendu parler depuis que je suis toute petite. En lisant ma Bible, dans les chants, même à la télé. On en entend parler partout. C'est ici que le roi David a fondé la capitale d'Israël. C'est ici que le temple a été fondé, ici que Jésus a fait de nombreux miracles. C'est le centre, en tout cas, du monde. Les yeux sont rivés sur Jérusalem. Quel honneur de pouvoir être là et de pouvoir chanter devant Jérusalem et à Jérusalem. Je vais donc vous mener avec moi dans ces coulisses et dans ce voyage hautement spirituel. Vous allez voir du coup les backstage, de l'interview, du concert et un peu de visite aussi. Welcome to Jérusalem. Notre voyage commence donc ici à l'aéroport de Tel Aviv. On a été accueillis par l'équipe de Nahama Center, avec laquelle on a organisé le tour opérateur avec mon mari, ainsi que Franck. Lui fait partie de TBN et il est dans l'organisation du concert. 1, 2, 3. Israël Prophetic Tour 2023. Voilà, nous sommes bien arrivés à l'aéroport de Ben Gurion. Nous sommes actuellement à Tel Aviv et nous avons hâte de prendre la route pour aller un peu plus d'une heure à Jérusalem pour le début de tout ce que nous avons prévu. Donc après avoir pris quelques photos et vidéos, on prend la route pour Jérusalem pour rejoindre notre hôtel. Quand on a atterri, j'ai eu un peu les larmes aux yeux parce que je me suis dit que sur cette terre-là, Dieu a exaucé il y a des milliers d'années et qui continue à exaucer des prières qui sont montées. Des hommes qui ont été là, des femmes qui ont été là. Je pense qu'ici, en tout cas, il n'y a rien qui peut vous être refusé. Quelle faveur d'être en Israël, en tout cas. On va manger. Découverte de salade. Première journée finie, à demain. Alors aujourd'hui, on va passer notre journée chez TBN. On va commencer avec l'interview ce matin, avec cette vue à couper le souffle. Et puis on ira à la répétition pour le concert qui aura lieu jeudi. Mais vraiment, ça, le début, c'est vraiment de ce côté-là. Et la cité de David, c'est vraiment à faire aussi au niveau visiste, c'est très intéressant. Historiquement, tout ça, ça permet de voir effectivement... C'est marrant d'avoir choisi un lieu comme ça. Tu vois, ouais. Bâtir en bas, c'est vraiment... Ouais. Mais ils l'ont choisi parce qu'il y avait une rivière qui passait aussi. Okay. C'était important en fait qu'ils aient de l'eau. Ouais, ouais, et c'est cette eau qui a permis aussi de résister à beaucoup d'attaques parce qu'ils avaient fortifié, ils avaient même fait, en visitant la cité de David, on voit qu'en fait l'eau rentrait souterrainement. C'est-à-dire que ça permettait d'avoir de l'eau, d'aller chercher de l'eau sans se faire attaquer. Donc c'était une façon de protéger la ville. Et puis après, Salomon a pu construire le temple. Wow. Et puis ça s'est étendu après vers là-bas.
Mais après, il y a encore eu de la construction après Jésus, encore une fois que la ville a été détruite. Et la porte dorée, la fameuse porte où Jésus ouais. est censé revenir, est toujours fermée. Elle est bien murée, celle-là. C'est-à-dire que ça soit ou les juifs ou les musulmans, ils ont bien muré les... Pour être sûr qu'en tout cas... Et ils ont même mis des tombes. Les juifs, ils ont mis des tombes devant. Parce qu'ils se disent, de toute façon, dans la Bible, c'est marqué que les Cohen, les sacrificateurs, peuvent pas toucher les morts, peuvent pas traverser les morts. Ouais, ouais. Sauf qu'ils n'ont pas réfléchi que Jésus, lui, c'est la tribu de Judas, c'est pas un Cohen. Ouais, donc ouais, il a le droit, ouais, s'il veut ouais, passer. Ouais, ouais. Tout est écrit, toute l'histoire se joue là. Et les yeux du monde sont virés là-dessus. C'est ça, c'est vrai. Et le jour où il y a le moindre chose qui se passe, ça va être la fin. Les Américains poussent énormément dans la construction du troisième temple. Chaque année, ils amènent une vache parfaite, c'est la vache rousse, etc. Ouais. Chaque année, ils la préparent au cas où, si jamais les instruments de sacrifice sont prêts. Donc tout est prêt. Voilà. Donc on va faire l'interview ici, vous serez restés ici, Florence ici, on est en train de préparer les caméras. Et puis je vous laisse vous asseoir un petit peu avec Jacques. Oui, avec plaisir. Quand même. Oui. C'est beau. En fait, c'est vraiment Dieu qui a permis vraiment tout ça. C'était la première fois nous aussi qu'on voulait faire un tour opérateur avec mon mari et mener plusieurs personnes ici. Donc on est une trentaine. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est super. Depuis Kine, alors vous avez organisé et vous arrivez tous de Kine et de la France. Ouais, mix comme ça. Ouais. Il y a des gens aussi qui sont. C'est comme ça que j'ai rencontré Pasteur Jacques, le directeur de TBN France. Il est même originaire du sud de la France, comme moi. We will start the interview in 30 minutes. 33-0. Plus que 30 minutes avant de passer devant les caméras. Alors une petite retouche make-up et c'est parti. Merci Seigneur, parce que tout est entre tes mains et tu sais Seigneur ce que les gens ont besoin d'entendre. Je prie Seigneur aussi que tu bénisses Signane, tu lui donnes Seigneur vraiment les mots qui viennent de toi Seigneur. Tout est pour ta gloire et pour toi seul Seigneur, nous t'aimons. Nous prions d'être une source de bénédiction pour cette chaîne afin que de milliers soient réellement bénis par les interviews, le concert qui sortira. Agrée ce matin nos prières au nom puissant de Jésus. We're ready, girls? Yes! Perfect, so we'll start. All right. Camera rolls. And 5, 4, 3, 2. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, nous sommes à Jérusalem avec une invitée d'exception, une femme incroyable, une femme de Dieu incroyable, une voix pour la francophonie. Et aujourd'hui, nous avons Simone avec nous. Bienvenue. Merci. Nous sommes très heureux de t'avoir, vraiment honorés. Impressionnant, incroyable, ouais. Incroyable, magnifique. Donc là, imagine, tu habites ici. Mais franchement, tu n'espères rien de plus. Il n'y a aucun hôtel qui pourra rassasier ta soif. Et puis, il y a toute l'histoire. Donc, comme Franck disait, la Bible en 3D, là. Tu te rends compte? Là, tu vois le temple, là. Le temple du parvis, là, c'est ça? Le mont des Oliviers. C'est quoi? À chaque fois, j'ai cette vue-là, je suis prise. Non, mais c'est clair, tu t'habitues. Ah, ça, c'est waouh! Imagine tous les matins, tu prends ton petit déj ici, là. Est-ce qu'il n'y a pas dans ta vie une seule prière que Dieu ne va pas exaucer face à cette vue? Oh, c'est fort! Tu vois l'église là-bas? C'est là où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Oui, c'est ce qu'ils me disaient. Ah, c'est ça? Tu vois, c'est dans ma... Ah, ok. Et puis, tu vois, ce que je lui demandais, je disais, c'est... Parce qu'il me disait, là, le temple, c'est au-dessus. Mais avant,
Tout ce qu'il me disait, c'était plutôt, tu vois, en descendant là, c'était comme ça, c'est ce qu'il me disait. Je sais pas, dans l'architecture, j'aurais jamais pensé que ce soit fait, tu vois, au milieu comme ça. Donc, et après, il m'a expliqué qu'il y avait une rivière à l'époque, il y avait de l'eau qui coulait. Donc. C'est des choses que tu sais seulement quand tu es sur place. C'est ça qui est top en fait à Jérusalem, t'apprends des trucs. C'est là que tu vois que la Bible, elle est vraie même dans la localisation. Enfin, tu sais, il n'y a rien de faux dans la Bible. Parce que même quand ils disent que Jésus, il a été crucifié à 1 km, bah, en fait, c'est véridique tout ça. C'est mon lèvre, on a comme ça. Pas besoin de trop de commentaires. Voyez vous-même ce qui se passe. En tout cas, c'était une super interview ce matin. Et puis cet après-midi, on va pour les répétitions. Guys, got it. So you feel I'm somebody. I know I look really shy, but I jump so much. I have so much energy when I speak. Oh, a lot. I'm about to move. Me, I'm from Africa. So we are moving. We are praising. So that's why I was saying, like, more energy. Like, give to the more. Équipe-moi de détrôner. Ah! Équipe-moi pour de ta place. Je me demande, yeah, qui pourra te détrôner. Comment, qui pourra prendre ta place? On y va! Il fait chaud, on est dehors, en plein air, mais voilà, c'est une première aussi, pas tous les musiciens ont l'habitude de jouer ensemble, donc on va prendre du temps pour la répétition pour vraiment tout assimiler, mais bon, ça va. On va chanter en français, en hébreu, en anglais, en lingala, tout. Je suis ton épouse passionnée qui attend de danser avec toi. C'était chaud. Répétition finie, on va marcher un peu et se détendre avec les filles. On va à la First Station. Donc venez avec nous. Aujourd'hui est un jour un peu différent des autres puisque je rejoins le tour opérateur organisé par mon mari et Naama Center, donc je suis dans le bus avec tout le groupe. On va commencer par quelques lieux qui sont phares autour de Jérusalem, notamment le lieu de naissance de Jean-Baptiste. Thank you.
Alors, on va pour notre soundcheck. Ils ont fini d'installer. Les gens vont pas trop tarder non plus à arriver. Donc, il nous faut absolument terminer le soundcheck avant tout ça. En tout cas, premier jour que c'était le stress de l'adaptation, mais là maintenant ça va. Yeah, yeah, it's good. I like it when it's close to me. Thank you. In a dawn, in a sommeil. In a dawn, in a sommeil. Alors le soundcheck s'est bien passé, on est prêt, on reste en prière, les gens sont déjà en train de rentrer et par la grâce de Dieu, on va avoir un bon moment sur la vue de Jérusalem pour chanter Yeshua, pour chanter Jésus. En tout cas, j'ai hâte. Bienvenue. Merci. Enchanté. Enchanté, pasteur. Ouais, ça va, Jérusalem? Très bien. Il a fait chaud. Il a fait chaud. Nous, on s'est converti avec Tibienne, quoi. Ah, on a suivi Tibienne depuis le début, incroyable. Surtout en anglais. Quand on me parle de Tibienne, je suis. Moi, très c'est une grâce, vraiment une grâce. Ouais. Et Tibienne, tout le monde est fatigué. C'est sportif hein, aussi, hein, les tourants, c'est sportif. Ouais. Mais bon, tu vois plein de choses, c'est ça qui est bien. Ouais. En tout cas, moi, je peux venir ici chaque année, même deux fois. Ces gens, ces ouais, personnes. La les gens sont très nice aussi. Moi, les nations, en fait, ici, c'est vraiment les nations. Ouais. Ouais. Les gens du monde entier viennent vraiment. Ah ouais, vraiment, vraiment. Béni soit ton saint nom, ô Dieu d'Israël, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, aujourd'hui est ton jour, le jour mis à part pour t'adorer, pour te louer. Activité qui a toujours été faite seule dans son cœur. Maintenant, elle veut le faire en public avec un monde autour d'elle qui vont ensemble, moi y compris, élever devant ton trône un parfum de l'encens de bonne odeur à la gloire de ton nom. Aujourd'hui, Père, je prie que tu oignes spécialement ta servante et que tu te serves d'elle comme jamais tu ne l'as fait. Père, nous voulons réaliser combien cette grâce est grande d'être à Tibienne, France, en pleine vie de Jérusalem et d'avoir Simeon Music dans les studios en train de louer et d'adorer Dieu. C'est une grâce et c'est l'accomplissement des prophéties que tu lui as donné, ça fait tant d'années. Amen. 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 Allez, I'm proud of you. Let's go. À notre sœur Simeon, qui va nous conduire dans un temps de louange et d'adoration. Alors on n'est pas spectateur, mais on est participant à ce moment de louange et d'adoration. Que Dieu bénisse notre sœur bien-aimée qui est là au milieu de nous. On peut, s'il vous plaît, l'accueillir comme il se doit. Levons-nous et accueillons notre sœur Simeon. Aucun autre nom que toi, aucun autre nom que toi, Jésus. Yeah, 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 yeah. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, que toi. Toi, l'espoir de tout homme. On y va. Sur toute chose, yeah, en ton nom.
finir sans danser, non? Ça, ce sera peut-être hors caméra. I think we're done. We're done with the concert. I just want to celebrate a little bit. Les musiciens qui sont sur place, ils ne sont pas habitués à jouer vraiment africain, donc ils se sont adaptés au maximum. Je ne sais pas où est Nata. Nata, viens à la batterie. On est prêts à célébrer? Alléluia! Par la grâce de Dieu, ça a été. En tout cas, ça a été. Les gens étaient bénis. Faut pas oublier que c'est un live recording. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup de gens qui vont regarder. Donc, en tout cas, gloire à Dieu. On prie que ce soit une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour beaucoup de gens qui regarderont ce concert. C'était un super concert. On a senti la présence de Dieu. Et vraiment, on était remplis. On part avec quelque chose. En tout cas, voilà, ceux qui n'étaient pas là, vous avez tout raté. En plus, à Jérusalem. Alors, le concert, c'était vraiment magique. Non seulement l'endroit, mais aussi avec Simiane. Et ce qu'elle a choisi comme chant, c'était vraiment très, très fort. Notamment, après chanter Yeshua et que Jésus vienne par les collines de Jérusalem, c'était vraiment très fort. Le concert était trop bien, chanter à Jérusalem, vraiment c'est quelque chose de très différent, surtout proclamer le nom de Yeshua. En tout cas, Jérusalem a été béni. C'était fort, et le public aussi, il était connecté parce qu'il appelait vraiment le salut pour Jérusalem, et c'était fort, très très fort. C'est parti. C'est bon. Hey guys, alors on est le lendemain du concert. Par la grâce de Dieu, ça s'est vraiment bien passé. On a pu tout enregistrer, donc on a hâte que ça sorte sur TBN, mais aussi sur notre chaîne. En tout cas, aujourd'hui, on prend la journée un peu cool. On va aller manger, on va aller visiter quelque chose, et puis après, on rejoindra le groupe. Et ce soir, c'est Shabbat, donc plus de vidéos à partir de ce soir jusqu'à samedi soir. I am down and so lonely. Oh, oh, oh. Who will comfort me? 'Cause I've tried, oh my. I've tried. C'est quoi le moment que t'as préféré dans le concert? Moi, j'ai beaucoup aimé quand j'ai pris le piano. Ça fait très longtemps en plus que j'ai pas appris le piano. Donc, oh, Chanel! Ça m'a fait du bien. Je pense que beaucoup de personnes aussi ont apprécié ce moment qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus intimiste, en étant focus sur les paroles, focus sur l'esprit. Et voilà, en tout cas, j'ai bien aimé. Et aussi le chant Yeshua qu'on a fait avec la version hébreu aussi, c'était super. Le vlog finit ici pour le petit concert à Jérusalem. En tout cas, on rejoint le groupe donc, suite du vlog chez mon mari pour le vlog du prophetic tour à Jérusalem. Bye bye.
Un grand merci à toute l'équipe de TBN France, notamment à Franck qui a travaillé terriblement pour que ce concert se déroule bien. Un grand merci à Florence qui a été la connexion pour nous et d'avoir aussi déroulé toutes ces belles questions pendant les interviews. Un grand merci au pasteur Jacques qui nous a mis à l'aise par son hospitalité et sa gentillesse. Un grand merci aux techniciens et aussi aux musiciens. Merci à tous ceux qui étaient présents. Et aussi, je tenais à dire que tous ces tournages ont été faits avant que la guerre ne commence. Alors s'il vous plaît, restons tous en prière et prions pour la paix de Jérusalem.